Je suis son frère, mais je suis aussi son agent, je suis son producteur, je suis son avocat, je suis son chauffeur, je suis son garde du corps, je suis sa mère des fois. Merci, c'est tout pour moi, c'était... J'aimerais faire venir une personne sur scène. Quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui me donne confiance, qui me met aussi des gros coups de pression des fois. Mais sans qui ce spectacle n'aurait jamais existé. Linda. Tu connais Mourad? C'est lui le vrai comique de la famille. Vous avez fait une photo sans moi, c'est quoi cette famille? Je le mets où? Je le mets là, regarde. Ça va pas? Tu viens pas souvent nous voir? Ah, je taffe, tu vas bien. Je crois qu'elle va venir s'installer ici. Si là, tu le prends mal? Non, non, pourquoi je le prends mal? C'est ta femme, c'est normal, tu veux construire. Je comprends. Y a combien de places déjà ici? 6200. Eh, hey, fais-nous un petit sketch là. Je peux pas te faire un sketch là. Vas-y, celui du téléphone portable, vas-y. Dégage maintenant. Ferme ta gueule, toi. Ouais, moi, ferme ta gueule. Je suis pas un hypocrite. Vas-y, ferme ta gueule. Tu sais combien t'es une meuf de passage ici, toi? Parce que je fais ça à Macron, on dit ex-femme, mais on dit pas ex-frère. Mais je voudrais quand même qu'on trouve une place pour mon frère. Toi, t'en as envie? Parce que la famille, ça inhibe. Et un jour ou l'autre, ça crée des problèmes. Je sais pas si c'est un mec qui me veut vraiment du bien ou si c'est un type qui cherche un peu à me faire à l'envers, tu vois. C'est pas forcément l'un ou l'autre. Les ennemis, c'est pas eux. Les ennemis, c'est ceux qu'on aime le plus. T'as l'air de savoir un truc que je sais pas, vas-y dis. Sois responsable à un moment donné. Ah, moi je fais les choses bien, cuit, nique ma vie. Et oublie pas que si t'as réussi, c'est grâce à moi. Oublie pas ça.